Souvenez-vous, il y a 2 ans, nous avions rencontré 3 élèves d'un lycée militaire, Clémence, Leïla et Boris, en classe de seconde. Nous avions essayé de connaître leur motivation et tenté de savoir pourquoi avoir fait ce choix d'intégrer un lycée militaire. Actuellement en classe de terminale, nous les avons retrouvés pour faire un point sur leur cursus et aussi pour savoir si ces années à Saint-Cyr l'école se sont déroulées comme ils l'espéraient. Y a-t-il une différence avec un lycée de secteur ? Il y a une différence parce que moi, comme je suis en internat, bah, c'est pas du tout la même chose qu'eux qui sont complètement livrés à eux-mêmes. Ils rentrent, ils sortent quand ils veulent. Il y a d'autres différences que j'ai remarquées maintenant en ayant passé 3 années ici. Que c'est vrai qu'ici, on apprend quand même une rigueur de travail et une manière de travailler qui nous servira toujours pour après. Le soir, on a de l'étude encadrée et du coup, bah, ça nous force à travailler en fait, on est obligé de le faire. Et ça nous donne un rythme qu'on saura garder après pour toute notre vie. Moi, j'aimerais bien devenir, si j'y arrive, pilote de chasse. Alors, moi, j'ai toujours le projet de devenir pilote de chasse, mais justement, le lycée m'a permis de voir vraiment le niveau que j'avais. Et j'ai vu que pour une prépa, ce serait peut-être un peu juste. Saint-Cyr m'a apporté de l'autonomie au niveau du travail, des bonnes méthodologies pour travailler. C'est vrai que la plupart des gens ils nous demandent si on est venu en lycée militaire pour faire une carrière militaire après, mais non, moi, c'est pas mon objectif. Quand je suis arrivé ici, je savais pas ce que je voulais faire. Encore il y a quelques mois, je savais pas du tout. Là, maintenant, je suis plus tenté pour des écoles d'ingénieurs. Au début, mes amis, quand je leur disais lycée militaire, ils disaient « Ouais, mais tu fais des pompes le matin et tout, c'est vraiment militaire, vous faites lever à la trompette et tout. » J'étais là « Mais non, pas du tout. » J'avais jamais fait d'internat avant, j'avais un peu des appréhensions sur ça. Je me demandais est-ce que ça va bien se passer, est-ce que... En fait, finalement, je trouve ça super, on apprend à vivre avec les autres. La tenue imposée, ça ne vous gêne pas ? L'uniforme, moi, ça m'a pas dérangé vu que de toute façon, c'est plutôt... il n'y a pas besoin de réfléchir le matin pour s'habiller, donc moi, ça m'arrange bien, c'est plus rapide. Enfin, ça fait 3 ans qu'on a la même, maintenant on la connaît, donc voilà. Bon après, c'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais bon, c'est comme ça, et puis voilà, on est tous pareils, donc... Maintenant, limite, la question, c'est de savoir comment on va s'habiller quand on a le choix. Ah, ici, j'ai découvert beaucoup de sports, puisque le lycée dispose de beaucoup d'infrastructures. On a des terrains de rugby, de foot, de gymnase, une piscine, on a vraiment tout ce qu'il faut. J'ai fait de la piscine, j'ai fait de la musculation, j'ai fait du basket, j'ai fait de l'acrosport... c'est un rythme à tenir, mais c'est vrai que moi, ça m'a plu en tout cas. C'était vraiment une bonne expérience, je trouve. Il y a plus de discipline, donc c'est vrai aussi que c'est mieux parce que comme ça, il y a moins de débordements. Et... Quand on est ici, ça passe très très vite. Je sais qu'il y en a certains qui restent le week-end, ça leur paraît long, mais moi, je vois pas les semaines passer. Je pense toujours que le lycée militaire de Saint-Cyr, c'est vraiment une très belle expérience à vivre parce que déjà, c'est pas seulement un lycée normal, c'est aussi une école de la vie. On apprend à vivre en communauté, on apprend la rigueur, on apprend plein de choses qui pourront nous servir pour la suite. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous sentez-vous accompagné pour aborder vos études supérieures ? On est bien accompagné cette année, oui. On a la conseillère d'orientation psychologue. Là, elle est vraiment... Elle suit vraiment chaque terminale au niveau du projet. Elle nous suit au fil des années. Et puis là, cette année, elle est vraiment derrière nous. Mes parents, ils sont plutôt fiers de moi. Et c'est sûr, c'est plutôt gratifiant de se dire qu'on aura passé 3 ans au lycée militaire de Saint-Cyr. C'est quand je pense que écrit sur un CV, ça rend quand même. C'est plutôt pas mal quand même. Si vous aussi vous souhaitez intégrer un lycée de la Défense, n'hésitez pas à vous rendre au CIRFA le plus proche de chez vous. Un conseiller vous informera et vous conseillera.